Thomas Markle avait précédemment déclaré qu'il était « éternellement reconnaissant » envers le roi Charles d'avoir pris sa place lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry en 2018. L'expert de Meghan Markle, Thomas Markle, a souhaité au roi Charles un prompt rétablissement quelques heures après que le palais de Buckingham a annoncé son diagnostic de cancer. Thomas, aux prises avec des problèmes de santé ces dernières années, a adressé tous les meilleurs vœux du monde à Sa Majesté alors qu'il quitte ses fonctions pendant qu'il reçoit un traitement. Il a déclaré « Je souhaite adresser mes meilleurs vœux au roi Charles et j'espère qu'il se rétablira très bientôt. Je lui souhaite tous les meilleurs vœux du monde. » Thomas avait précédemment remercié Charles d'être intervenu et d'avoir accompagné la duchesse de Sussex jusqu'où elle allait le jour de son mariage avec le prince Harry après avoir été contraint de se retirer de la cérémonie pour des raisons de santé et un accord malheureux avec les paparazzi. Markle a exprimé à plusieurs reprises sa déception de ne pouvoir assister à l'événement et a déclaré qu'il était éternellement reconnaissant envers le roi pour avoir pris la relève. Le palais de Buckingham a confirmé que le cancer du roi avait été détecté à la suite d'une procédure que le monarque a subie la semaine dernière pour traiter une hypertrophie de la prostate. Cependant, le palais a précisé qu'il ne souffrait pas d'un cancer de la prostate. Le roi aurait personnellement informé le prince William et le prince Harry ainsi que ses frères et sœurs de son diagnostic avant l'annonce officielle. Dans un communiqué publié lundi, le palais de Buckingham a déclaré que Sa Majesté quitterait momentanément ses fonctions le temps qu'il reçoive des soins.